Salut les amis, Roger Montou ici, c'est en direct de Washington, la grande capitale de USA. Nous allons décoller dans un instant aujourd'hui avec un invité spécial dans cette émission. Et attachez vos ceintures de sécurité comme d'habitude. Mais d'abord, le tour de l'actualité en 3 minutes. Et c'est avec mon ami et collègue Abdraman. Bonsoir Abdraman, et on commence en RDC, oui, mon pays d'origine. Absolument, bonsoir Roger, bonsoir à tous les auditeurs. Donc en RDC, un incendie a dévasté une partie de la prison centrale de Goma dans l'est du pays. Le bloc qui héberge les femmes et les enfants a pris feu. La partie de la prison touchée est complètement consumée par cet incendie, mais il n'y a pas eu de victimes, selon le directeur de la prison, Patrick Mukendi. Quelques 200 personnes ont tenté de forcer la clôture entre le Maroc et l'Espagne. 73 migrants ont pu entrer à Ceuta, l'enclave espagnole. La Commission européenne a appelé des ONG encore récalcitrantes à signer un code de conduite controversé du gouvernement italien qui prévoit de réguler les activités de secours de migrants au large de la Libye. Trois ONG internationales ont annoncé hier leur adhésion à ce texte qui vise notamment à interdire aux ONG de s'approcher des eaux libyennes et de communiquer avec les passeurs, y compris via toute forme de signaux lumineux. Ce code exige aussi la présence d'un policier à bord. Mais deux autres ONG, dont Médecins sans frontières, l'ont rejeté, estimant n'avoir pas obtenu des autorités les garanties suffisantes sur le port d'armes à bord de ces navires par des policiers italiens. Au Kenya, quelques dizaines de militants des droits de l'homme sont descendus ce mardi dans les rues de Nairobi pour dénoncer le meurtre d'un haut responsable de la commission électorale à une semaine des élections générales du 8 août. Le corps de Chris Musondo, un responsable chargé de superviser le système informatique de la commission électorale kenyane, a été retrouvé avec des marques de torture près de la capitale. Le chef des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, pourrait demander des éléments additionnels pour la force onusienne en Centrafrique. Il l'a laissé entendre à l'issue d'une visite de 2 jours à Bangui. M. Lacroix a par ailleurs annoncé que les Nations Unies étaient en contact avec la Zambie et la Tanzanie pour remplacer les quelques 600 soldats du contingent congolais renvoyés à Brazzaville en juin dernier. Certains d'entre eux sont accusés d'abus sexuels et d'indiscipline. À Madagascar, au moins 34 personnes sont mortes dans l'accident d'un autocar qui transportait de jeunes fidèles protestants vers le nord du pays. Et selon la gendarmerie, le bus a mal abordé en montant et est tombé dans un ravin d'environ 20 mètres. Il a pris feu après avoir fait plusieurs tonneaux. Donc ici, aux États-Unis, excusez-moi... Roger, on termine peut-être avec les... Voilà, donc je pense que j'ai dû m'emballer un peu les pédales. Il y a toujours les nouvelles. Hein. Les nouvelles sont toujours là, de toutes les façons. Absolument, je vous laisse. Vous avez plus de temps pour notre invité. Plus de temps pour invité, notre artiste, l'invité d'aujourd'hui. Ben, merci voilà, beaucoup. Donc je retrouve les auditeurs à 17h GMT. D'accord, merci beaucoup Abdraman. Avec la permission de notre réalisation, Georges Léonard Sagnon, on décolle. Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. RM Show et tout son équipage vous souhaitent un bon voyage. Attachez vos ceintures de sécurité. Bon voyage, monsieur. RM Show. Bon voyage, madame. Tout de suite sur la voie d'Amérique. Avion Wenekiti, RM Show. Tolanda Kayango, RM Show Tikanayo. Hey, la Guinée-Calo. Automatide, RM Show Wati. Hey, Akanide, Adumane. Mpangi na Beto, RM Show. Ha! Roger Montou la icône, hein? Gagne Ramien Reu. Roger Montou, RM Show, Mani Bumokarate. Colette Gaï, Nouaï, Dog de New York, de Mou. Bam, bon, Subakwe, Tuku Kasai, Nui Kalami, RM Show, émission Wen, Mou, Penye, Yeu. Bon voyage tout le monde les amis, évidemment on vous a dit une émission spéciale aujourd'hui, vous êtes en train d'écouter RM Show, une émission de VO Afrique. Je ne suis pas seul dans ce studio, Solange à mes côtés, bonsoir Solange. Bonsoir Roger, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Une émission spéciale parce que nous avons l'artiste Fode Kouyaté, guinéen d'origine. Il va nous dire ce qu'il fait ici aux États-Unis pendant toutes ces années, qu'est-ce qu'il devient, l'artiste est avec nous. Vos questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, hein, appelez-nous, laissez vos numéros de téléphone, on va vous rappeler, appelez au 001 202 205 2633, encore une fois c'est au 001
202 205 26 33. Les amis qui ont aussi WhatsApp ou Viber, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages en live, en direct. Nous allons les lire en live. Et aujourd'hui, bien sûr, notre sujet aussi continue. Le sujet de la semaine dans RM Show, on dit que l'amour n'a point d'âge. Qu'en pensez-vous? Et bien sûr que notre invité spécial pourra aussi répondre à cette question-là. Mais mon numéro WhatsApp ou Viber, c'est au 001 703 350 3731. Si vous ne connaissez pas, faut découillater. Ah, écoutez le morceau là. Vous allez appeler vite. Écoutons. Itaï Baramba, Itaï Baramba, Matéla Yontaï Soukoumbe, Ramboyé
bravo, 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 bravo à l'artiste, bravo. Tai Tongo. Hein. Tai Tongo, est-ce que je n'entends pas très bien l'artiste? Est-ce que le son micro est ouvert? Tai Tongo. Voilà, là j'entends très bien. Tai Tongo. Tai Tongo, oui. C'est un sousou. Oui. La taille de la princesse même. Voilà. Pas la taille de celle-ci. Non. Tu as entendu? C'est la princesse, faut faire attention. Mais là, je suis la princesse. Qu'est-ce que tu sais? Tai Tongo, faut oui. D'abord on doit applaudir pour. Ouais, comme c'est la première fois. Applaudissons pour c'est la première fois. Fodé Kouyaté, bienvenue à VO Afrique dans nos studios, dans cette émission RM Show. D'abord vous êtes trop bien habillé. Merci beaucoup. Quand je suis venu, je vous ai habillé comme ça, j'ai dit non, si je savais. C'est si je savais que. Hein, mais vous allez vous habiller comme ça. C'est l'Afrique. Trop bien habillé, comment ça s'appelle Il fait l'honneur à l'Afrique. Ça, c'est du basin, ça. Du basin même, hein. Waouh. Ça nous vient du Mali, ça. Ça vient du Mali. Oui. Mmh. On appelle ça Kébazin. Ah, Kébazin. Ah, d'accord. Waouh. Il y a Mousso Bazin aussi. Ah, il y a Mousso Bazin aussi. J'espère que cela. Cela, je connais Mousso Bazin. Ah non, non, moi je connais seulement le Bazin riche. Après les comment, autres. Comment tu trouves le Bazin? Il y a même Bazin Gani. Ah. Est-ce que tu savais? Il est très beau ces Bazins là. Il est très beau. Il est très beau. Les couleurs là. Ouais, j'aime. J'aime. Non. Merci beaucoup. Non, ça c'est très bien. Mais Fodé Kouyaté, c'est un honneur. Je le disais au début de cette émission, de vous avoir dans nos studios et d'être passé nous voir ici. Vous êtes un artiste qui est beaucoup connu. Vous avez fait beaucoup de musique, beaucoup d'années. Vous êtes un artiste qui a produit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et aujourd'hui encore, vous continuez à faire de la musique. Oui. Mais vous êtes aux États-Unis, ça fait quelques années. Oui. Que devient ? Il y a des artistes qui nous, enfin des fans qui nous regardent en ce moment, qui se disent mais. Qu'est-ce que devient Fodé Kouyaté? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Ouais, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Voilà! Voilà! La question du jour. La question même, il a arrangé la question. On la pose souvent. Oui, ah bon? Oui. Ah. Eh bien, je suis là, c'est pour faire la musique encore. Oui. D'abord, depuis octobre 2013, nous sommes là. Oui. Nous sommes arrivés dans l'intention de faire d'ici la base de notre business. Oui, ici aux États-Unis. Oui, de notre carrière. Oui. Parce que les États-Unis, c'est une plaque tournante. Ouais, On ne dit pas la fin du monde, mais de toute façon, à partir d'ici, on a la main sur la main. Voilà. Donc, j'ai toujours répondu que je suis là, je ne vais pas oublier mes fans. Oui. C'est d'être un grand verreur. Ouais. Parce que quand je suis né Guéli Fodé Kouyaté. Ah, Guéli Fodé Kouyaté. Fodé Kouyaté, le Guéli de Kissi Framaya, c'est à travers ces fans-là qui m'aiment beaucoup. Ah. Je ne peux pas abandonner la musique. Ouais. Je vais toujours continuer à faire la musique pour eux. Ouais. Et c'est pour dans cet esprit-là que nous sommes là. Oui. Ouais. Et dès qu'on est venu, pour preuve, on a le 21 octobre déjà, il y a un album qui va sortir, Dena ton nom, dédié à l'honneur de nos chères mamans. Ouais. Donc, c'est pour leur montrer que la femme n'a pas. Il n'y a pas de comparaison. Mm. On ne peut pas. La femme n'a pas son prix. Ouais. Waouh, ça c'est prof. Tu dois être contente. Ah ouais, bien sûr. La femme, c'est la vie. Et nos mamans, même dormir, même dans leur profond sommeil, veillent sur nous. Tu as bien compris. Qu'est-ce qui vous a inspiré à parler comme ça des moments? Est-ce qu'il y a. C'est une femme, vous êtes tombée amoureuse d'une femme? Ou c'est là? Pourquoi tu entends? Je pose ma question. Je suis tellement amoureux, je suis. C'est quand je suis amoureux, je suis. Ah, ok. Bon, mais pas ça. C'est pour ce que je dis, tu devais être inspiré, quelque chose, quelqu'un, une personne. Oui, oui, ça m'a toujours inspiré parce que j'ai toujours compris. D'abord, même la femme en général. La femme en général, elle est la vie. Hein? Pour parler de la femme, il faut commencer par la famille. La communauté, la nation, le monde, tout ça c'est en particulier, mais en général, la vie, elle donne la vie. La femme se réveille la première, elle se couche la dernière, la femme, même son mari et son enfant, parce qu'il faut qu'elle prépare. L'homme peut connaître préparer, mais c'est la femme qui la met toujours à table. Et même pas, on a pas envie de se coucher dormir, mon frère. Quand la femme dit tu rentres, non. Ah oui, c'est vrai. Tu donc là, je parle de nos mamans. Ah ouais, ça c'est un bel hommage à la femme. Non, Roger. Ça c'est une classe. C'est profond, non, faut dire dans une classe. Ah non. C'est le 21 octobre.
Je vais rendre hommage. Cet album, c'est l'album ou c'est quelques chansons seulement? Ou c'est tout l'album qui rend hommage? L'album s'appelle Dena Tono. Dena Tono, qui veut dire l'importance de la maman. Ah, donc c'est tout l'album. Dena Tono. Oui. Dena Tono. Et Dena Tono a combien de titres dans l'album? Dena Tono a 14 titres. 14 titres. Oui. Et tous ces titres sont dédiés à, oui, aux femmes? Non, mais je parle de la vie, de l'amour. Oui. De l'honnêteté dans l'amour. Et la femme... Bon, moi, je n'ai pas de problème avec ma femme. Mm. Parce que pour avoir problème avec une femme, d'abord, il y a trois choses qu'il faut éviter. Si tu ne veux pas de problème. Vas-y, Roger. Moi, je le fais comme ça. D'accord. Je ne la contrarie pas. Elle a toujours raison. Ah bon? Ah oui, j'ai discuté avec... Ça ne marche pas chez moi, dans ma maison. Ah oui, oui, bien sûr. Bon, tu auras toujours des problèmes. Ah, c'est vrai. C'est pourquoi j'ai toujours des problèmes. C'est pourquoi j'ai toujours des problèmes. C'est pourquoi l'autre fois, j'ai dormi dehors. Non, ah bon. Ouais. La femme n'aime pas. On m'a mis dehors. La contradiction. Deuxièmement, je la donne toujours raison avant de la juger. Ah bon? Tout ce que la femme fait, elle a raison. Oui. Et surtout... L'approche pas. Ah bon? Il ne faut pas la reprocher. Ah bon? Non, il ne faut pas reprocher à la femme. moi, je pensais... bien grand non, je pensais que je connaissais. Ah, maintenant, je vois pourquoi j'ai toujours des problèmes dans ma vie. Tu vois? Tu sais? Je donne ma carte de crédit à madame. Je pars en voyage au Texas. Avant de revenir, à chaque fois, j'avais des images de Bank of America sur mon téléphone. Alors la banque qui t'envoie des messages dit non, dès que Monsieur Fondé fait boum, ouais. La banque me fait cap. Hein? Quand je suis venu, oh, je suis parti. Moi, je ne savais même pas que ça allait coûter ça. J'ai fait ça. Tu as raison. Oui, tu as raison. Mais même elle-même elle doit avoir peur. Vraiment, tu as raison. Mais Abracier a dit, ça veut dire c'est beaucoup. C'est pas grave. Non, tu as bien fait, chérie. Vraiment. Ah bon? Non, tu as bien fait. Finalement, c'est elle qui vient un jour avec nous. Chérie, tu sais, moi, j'avais tellement utilisé la dernière fois. Aujourd'hui, je suis allé, j'ai mis tant de... Oh, mais tu as bien fait, chérie. Ah. Mais tu sais que tu... Oh, mais c'est pourquoi je t'aime. Fais-moi bien. Ah. J'ai fait un hoc seulement et puis problème est fini. Ah bon? Mais ce jour-là, j'allais dire, dis donc, moi, j'ai eu chaud. Toi, tu as fait ça. Tu as fait ça. La guerre est dans la maison. C'est vrai. D'abord, je l'ai reproché. Ouais. Mais ce qu'elle a utilisé aussi, ouais. Elle va dire, parce que c'est pas pour moi. Donc, tout doit appartenir à la femme. Cela, c'est ça. Mais... Ne contrôle rien devant elle. Non, mais Foudé, moi, en parlant comme ça, là, tu es en train de séduire Solange. Hein? Non. Tu as vu comment elle te regarde maintenant pour, là, ses yeux avaient commencé comme ça, maintenant elle commence à regarder. Jusqu'à ce qu'elle commence. Non, Roger, je crois que. Mais qu'est-ce qui va dans ta tête? Est-ce que dans ta tête tu te dis. Est-ce que dans ta tête tu te dis si seulement je pouvais avoir un homme comme Foudé? Ah, allez, je savais! Je connais. Tous les hommes doivent écouter Foudé. Sincèrement, il a des bons conseils. Sincèrement, c'est une leçon. Mais comme Foudé le sait, pour nous les hommes, c'est difficile. Mm-hmm. Pour certains d'entre nous, vraiment être là à... Et ne pas reprocher sa femme, lui donner du temps. Mais c'est un effort, je crois, que tout homme doit faire. Non, il faut, c'est tellement difficile pour moi aussi. Ça doit être difficile. Oui, tout homme. Est-ce que c'est là une éducation que Foudé qui a été reçu de sa maman? Oui. Paix à son âme. Oui. Mon père m'a toujours dit de respecter la femme en tant que mère, de respecter la femme en tant que sœur, en tant que tante, mais de respecter la femme en tant que femme à moi. Et s'il particularisait, j'allais comprendre. Mais il m'a parlé de la femme. En général. En général, donc, moi, j'ai dit, la femme est la femme. J'ai toujours demandé, excuse même si j'avais raison. Je me suis dit, et cela, le micro, j'avais perdu le micro de Foudé pendant un moment. Je crois que ça va. Voilà, là, ça va. Ça m'amène à la question de la semaine à poser. Parce que tellement, tu vois, n'est-ce pas? Parce que Foudé nous parle de la femme. Foudé, la question de cette semaine dans cette émission, on pose toujours une question, on débat. C'est, on dit que l'amour n'a point d'âge. Oui. Qu'en pensez-vous? Si l'amour n'avait d'âge, de différents âges ou âges en général. Oui. Mais
Donc vous voyez, vous trouvez pas un problème? Non. Une femme qui est âgée de 40 ans, un homme qui est de 22 ans. Il n'y a pas de problème. Mais au fur et à mesure que la femme est plus âgée que l'homme, l'amour devient vraiment sincère et honnête. Ah bon? Waouh! Wow. Et une fille de 18 ans avec un homme de 60 ans? Ben, il y a toujours des problèmes parce que il y a il faut faire la balance entre les deux. Une fille de 18 ans qui épouse un homme de 60 ans, 70 ans, vous pensez que c'est pas l'amour? Non. C'est pas l'amour. C'est de l'amour vrai. Excusez-moi. J'ai assisté à un de ces problèmes un jour. Il y avait un élage chez nous. Bon, je ne peux pas dire son nom, ce serait être indiscret, mais la femme était notre amie. Liena épouse un homme de, à l'époque, nous on avait les 18-19 ans. Et imagine que moi j'étais plus âgé qu'elle. C'est l'âge de 60 et quelques années qu'il épouse. Mais à l'époque, nous, on pouvait partir à la soirée. Et Genève pouvait partir à la soirée. Pour partir à la soirée, elle disait, tu vas m'accompagner. Il dit, oui, d'accord. Il s'assoit dans la voiture, on va. Lui, il reste dans la voiture, il nous attend. Nous rentrons dans la salle, nous, on danse vers 2h, 3h du matin avant de sortir. Il dort dans la voiture, sa femme la réveille. Allons-y. Elle l'a reconduit à la maison. Vous ne pensez pas que c'est de l'amour? En tout cas, c'est de l'amour. Un vieux de 60 et quelques années qui épouse une fille de 19 ans, il faut d'abord, en l'épousant, il a moi sa place, ce que je sens, j'accepte tout d'elle. Parce que je sais que ce n'est pas le même âge. Deuxièmement, je sais que c'est ma petite fille. Troisièmement, c'est l'amour là qui me rend là-bas est plus fou que moi. Ah ouais, c'est ça même, c'est l'amour qui est plus fou, quoi. Oui, je l'ai chanté. Oui, oui. Ah, bah bon. Ah ben, la chanson est là. Ah. Oh, bah, Nama. Ah. L'amour que tu as oui, pour en une toi. Femme, oui. Qui te rend fou, là. Oui. Quand on dit l'amour est fou. Oui, l'amour est fou. C'est vrai, vraiment, l'amour est fou. Moi, je ne suis pas fou, mais l'amour est plus fou que moi. C'est l'amour qui l'envoie là-bas est plus fou que moi. Non. Faudé, nous revenons. Ça, c'est très intéressant. Nous revenons. Faudé, mais du coup, t'es là, ça fait quelques années. So you speak English now? Yes, a little bit. Little bit? Yeah. No, you speak good. Because you have a Bank of America account. Yeah. You should have a lot of money. I know that. But even sometimes you have to give you B. Give you B. Ça nous amène à l'anglais avec Michel Joseph. J'espère que Jean-Louis sera prêt avec Michel Joseph. L'anglais d'abord avant d'écouter le sport. Et nous revenons dans un instant. Michel qui nous apprend un mot en anglais chaque jour. Nous revenons. Hello Mich. Hello Roger. Bonjour Roger. Hello everyone. Bonjour tout le monde. C'est the word of the day. Le mot du jour. Ease. Ça s'appelle E-A-S-E. E-A-S-E. Avec facilité. Sans difficulté. To speak with ease. Parler avec facilité. She moves with such ease. Elle bouge avec beaucoup de grâce. Ease, c'est aussi être à l'aise. Please be at ease. Veuillez vous mettre à l'aise. Soyez à l'aise. Please ease off the subject. I'm tired of it. S'il vous plaît, arrêtez d'en parler. Lâchons ce sujet. J'en ai marre. Please ease off the subject. Can I ease your pain? L'infirmière au patient. Can I ease your pain? Puis-je vous aider à soulager cette douleur? You, Roger, do your show with such ease. Roger, toi, tu fais ton programme avec beaucoup de facilité. Back to you, Roger. Merci beaucoup, Michel Joseph. Oui, avec beaucoup de facilité. Easy, man. Merci beaucoup, Michel Joseph. Vite fait, on va retrouver Georges Léonard Sagnon, GLS, pour les intimes avec le sport. Hello, GLS. Salut Roger, bonsoir à tous les amis de RM Show Sport. Commençons par la NBA, le championnat nord-américain de basketball. La saga des transferts des stars de la NBA continue ici au pays de l'oncle Sam. Kerry Irving, ça vous dit quelque chose? Ce jeune homme de 25 ans, numéro 2 des Cleveland Cavaliers, veut quitter les Cavaliers justement pour les Miami Heat en Floride. S'il obtient ce contrat, Kerry Irving ira donc sur les traces de LeBron James
qui avait à son tour quitté les Cavaliers en 2010 pour les Miami Heat où il avait brillé de mille feux durant 4 saisons avant de revenir à la maison sur les montagnes d'Ekron, sa ville natale dans le Ohio. Alors, partira ou partira pas? Un mot sur les Jeux de la francophonie dont les Lampions se sont éteints en Côte d'Ivoire dimanche. Dans l'ensemble, Roger, nous pouvons dire que le bilan est globalement positif pour l'Afrique, dont 6 nations figurent dans le top 10 des pays médaillés. La France vient en tête avec 49 médailles, dont 22 en or, suivi du Maroc, deuxième au classement général et premier pays africain, qui ramène 42 médailles, dont 13 en or, 14 en argent et 15 en bronze. La Côte d'Ivoire, pays hôte de ces Jeux d'été, occupe la 6e place avec 19 médailles, dont 6 en or, 8 en argent et 5 en bronze. Excellente suite des programmes à vous, vous qui rencontrez demain dans la capitale fédérale américaine tous les jeunes Africains venus dans le cadre du programme Mandela Yali Fellowship. N'est-ce pas, Roger? Exactement, Georges Léonard Sagnon. Demain, nous allons rencontrer les Yali qui sont ici à Washington, hein, les étudiants, les leaders africains qui sont venus pour rester six semaines pour apprendre. Mais aujourd'hui aussi, notre invité spécial avec nous, il s'appelle Fodé Kouyaté. Fodé, un grand plaisir. En tout cas, on peut rester avec Fodé toute la journée ici. C'est on va peur. Toujours apprendre. C'est Fodé, est-ce qu'on peut écouter un morceau que vous allez nous chanter avec la guitare? Il n'y a pas de problème. D'accord. On va demander à Georges de nous préparer dans le vide. Voilà, on va écouter un morceau avant de prendre un petit break. Mara fanyi da kokonyi be ala mira tanga na vire nandema Adunu ya ponyeta na jine nambe Mara fanyi ponye jine be dangi kamera ala Emure yo ya ponyana kamebe Mara fanyi boye na jega mezuri akari manefa Ini manyori ganu tema Mara fanyi ganu tema Haisi nge na mara fanyi Iponye na nyerema ala imanu bagao Ganu tema viringere mamunse maha ponye awari Bonye na mirera daro, mara fanyi ma na dawibe. Mara fanyi na jem mirera daro de, iya musito mafa. Itulumi wa yangwero mema, iha hiliva sigamane anu fanyera. Mbonye. Ah, mwanya masu mara tu mara fanyi horo E nidari sanana Tu nidari, ah, nidari sanana Tu nidari sanana Kanu nidari sanana Wow. Mais on peut voir même les amis qui nous suivent sur Facebook Live qui adorent. On voit beaucoup de likes, beaucoup de j'aime sur Facebook Live. Les amis sont en train d'appuyer. Merci à vous qui aimez la musique de Fodé Kouyaté. Merci à tous les fans. Mais merci vraiment, beaucoup. Ils sont en train de vous suivre en live, en direct là. Ah oui. Ouais, sur Facebook Live et ils appuient j'aime. Ah j'aime. Bon ouais. Non, ça aussi c'est américain. Ouais, américain. Je ne savais pas que c'était en direct, alors applaudissez c'est avec moi. C'est en direct, mais les amis, on est ensemble. Envoyez vos commentaires aussi au 001-703-350-3731. Aussi, écrivez un mot, un message pour l'artiste ou vos commentaires en live sur Facebook Live. C'est VOA Afrique. Nous allons prendre un petit repos avec la permission de notre invité, Fodé Kouyaté, qui est aujourd'hui ici. Et Georges Léonard Sagnon, GLS pour les intimes. Nous revenons pour lire vos questions en direct et parler à nos invités. D'ailleurs, qui sont aussi déjà en train de nous entendre au téléphone pour poser leurs questions. Please don't go. We coming back in few minutes. God bless. Peace Africa.
É um dos programas da Voz da América que bate mais. Vais dormir sem ouvir o RM? Não faças isso. Todos os dias, à noite, boa música. É no show do RM. Não percam. RM Show est venu gagner au Giza et le monde de musique Giza. Tout là, il compte calme. Les amis branchés sur la voie de l'Amérique dans le pays d'Haïti, pas rater vol ça chaque après-midi avec Roger Montou, RM Show, son avion qui est un bon pilote et qui toujours atterrit en sûreté avec bonne musique et toute sa dame. Roger Montou, RM Show, sur la voie de l'Amérique. Bienvenue. Apan, si tu n'as ce qu'il y a qu'à toi, en tout cas, RM Show, hein? La mise ta course, alors? Apan, tout à situ, Apan. Oyo, j'ai semé la parade de RM Show, bané. Chers passagers de RM Show, on décolle. This is RM Show, let's go les amis. Vous êtes en train d'écouter la deuxième partie de RM Show, une émission de VO Afrique, Voice of America. Et on est ensemble, on vous dit merci infiniment. Notre invité spécial aujourd'hui, Fode Kouyaté, un artiste guinéen. Moi, je l'appelle un artiste africain parce que sa musique a traversé le continent. Même aujourd'hui, s'il est aux États-Unis, il joue d'ailleurs ici aux États-Unis. On est très chanceux, très honoré de l'avoir aujourd'hui ici à Voice of America, à Washington DC. On est ensemble. Mais pour vos questions, n'hésitez pas. C'est toujours au 001-202-205-2633 si vous voulez participer en live, en direct. Mais sinon, sur WhatsApp ou Viber, nous sommes toujours là. C'est au 001-703-350-3731. On redécolle avec un autre morceau de Fode Kouyaté et nous revenons dans un instant. Fala, e bem ela com ele, me enfia na fila.
kono miri na ramalang nyevunu kikende na mithiro anira sabu vaitu ireo solo anakana maiga mira na ponye nyari na timaneva yamu ya kukolo mazumira kono dieta na nyerebete ibure 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 fanyana nara antina banana fiki nyari tu iruma patala ibela kuiri na fema kiria kumuri na mafanyi manyuma itambe para na fifi nyari tu iruma mafala nebe fanyi manyera tu ikubima wanu miri na ramalangi nyevu nukike na nefiko anura sabo fanyi tu ileo anakana na igambira na bonye nyari na tima nema Mbe ya muya kukono mazumira Kono dieta nga nyerebete Iburi buri naka iburi na nanatina sube Kini ya kuburi na mafanyi na yungu itanete Iko ikadu maine tetu ya kumawale ya kunafana Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo, bravo. On ne savait même pas que Georges dansait. Georges, c'est aujourd'hui qu'il a dit attendez, vous pensez, vous dites toujours que je ne sais pas danser. Mais aujourd'hui, on va, je veux vous apprendre. Est-ce qu'il a bien dansé, Georges? Il a bien dansé. Ah bon? Oui. Et puis on dirait que vous avez ce rythme-là dans vos poutres. Ah bon, hein? Ça m'a fait plaisir. Ben en tout cas, je... vraiment. Oui, parce que sinon, on n'aura plus dansé comme ça. Solange et moi, au moins, je peux parler pour nous. La musique... Les Congolais, là, ils ont la musique dans leur sang. Dans leur sang. Mmh. Nous, même quand on te réveille, là, on dit Faudet est en train de jouer là-bas, tu cours. Il ne faut même pas me réveiller à 3h du matin. Tu dis Faudet est en train de jouer là-bas. Je vais venir. Oui, c'est clair. Je vais danser. Ça, c'est ça. Ouais. C'est la... mais la... ma question, Amel, d'abord. La musique guinéenne, il y a un son congolais là. Et pourquoi, bien sûr. Pourquoi et comment il y a cette... Vous savez, depuis nos aînés, oui. Ils ont exploité la rumba. Oui. Nous avons des rythmes en Guinée qui sont automatiquement rumba. Oui, j'ai vu les bimbia jazz. Les bimbia jazz, les horoyabans. Oui. Il y a beaucoup d'orchestres, les balais et baladins, des kélétiviers et tambourines. Nos aînés là nous ont légué un héritage qu'il faut exploiter, non seulement honnêtement, mais à bon escient. C'est pourquoi il faut toujours chercher à se ressourcer et revenir faire une création. Oui, oui, oui. Non, nous avons les mêmes rythmes. Et si vous remarquez, chez nous, il y a de ces rythmes dès qu'on lance seulement. Nous avons tendance à danser les soukous dedans ou à faire. Oui, évidemment. Il y a les soukous un peu là-dedans. Et on sent ça. Bien sûr. Alors, comment Faudé, on doit dire que plusieurs des grands musiciens d'Afrique de l'Ouest sont des griots, perpétuant d'ailleurs la tradition de leurs ancêtres, chanteurs génération en génération. Est-ce que Faudé, c'est un griot aussi? Oui. Un griot aussi. Oui, Faudé est le griot. C'est pourquoi, c'est d'où vient le nom Djeli vient de là, c'est ça? Djeli, Faudé, Kouyaté. D'abord, les Kouyaté sont les griots, mais les griots, aussi d'abord. Les Niara, les nobles des griots. Ouais. Ah, les nobles des griots, les Niara. C'est nous les vrais griots, c'est les Kouyaté qui sont les griots. Moi, je suis issu d'une famille paternelle qui est Kouyaté. Oui. Mon grand-père, je peux dire mon... Arrière ou descendant ou ascendant, je ne sais pas, en français, était derrière Sengata Keta. Ah. Balafaseke Kouyaté. Oui, oui. Une grande famille. Et ma famille maternelle, je suis le petit-fils de Soumangoro Kanté. Je suis de Soso Bala. Bala a eu Djaraba. Djaraba a eu Terna. Terna a eu. A donné le nom de son fils à son père, on appelle Soso Bala Diara. Soso Bala Diara. Bamba Diaraba a eu Djeli Faudé, Djeli Faudé a eu Mama Kanté, Mama Kanté a eu Djeli Faudé Kouyaté.
Waouh, historique. Historique. Il faut apprendre, hein. Il faut apprendre. Non. Ouais, donc, ici, je ne peux pas... C'est pourquoi quand on me parle de la griotterie, je dis, c'est un métier noble. Oui, moi je suis d'accord. C'est un métier noble. Moi je suis d'accord avec vous. J'espère qu'il n'y a pas certains qui pensent que c'est un métier qui... Non. La griotterie est un métier noble. Le griot, pourquoi c'est noble? Le griot ne ment pas. C'est notre serment, ça. C'est si je ne peux pas dire la vérité à un chef, je te laisse le pays, je quitte. Ou si le chef ne peut pas écouter la vérité que je peux dire, même dans l'ascension, je te laisse le pays, je quitte. Wow. C'est profond. C'est le serment. C'est pourquoi quand je dis qu'il faut, dans la grille aussi, la première place est toujours accordée à la femme, c'est-à-dire à la maman. La première responsable de la famille. Et après la famille, c'est la communauté. Après la communauté, c'est la nation. Après la nation, et c'est le monde. On dit que tout ceci est inclus en quoi? C'est la femme. D'après tout ce que je suis en train d'apprendre de vous ici, je ne vois pas comment je ne peux ne pas acheter votre CD qui va sortir. Inch'Allah, le 21 octobre. Écoute bien la chanson. Je suis en train de voir avec un de mes amis comment traduire cette chanson en anglais. Ah bon? Je vais le mettre en anglais. Et vous-même, vous allez chanter ça en anglais? Et je vais le chanter en anglais. Je vais le chanter en français. Parce que ce que j'ai dit dedans... Il faut que tout le monde ait... Je veux dire aux enfants d'aujourd'hui, nous avons la force sur nos parents, sur nos mamans. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas frapper un enfant. Pour éduquer un enfant, il faut l'apprendre, il faut chercher à dialoguer. Ça, c'est la démocratie. Mais la tromocratie, que moi, je connais, c'est dans la tête des enfants. Connaître que ma mère est un tout dans tout pour moi. Je ne peux pas avoir quelqu'un qui puisse vraiment la remplacer. Tout le monde peut avoir besoin de Roger. Tout le monde peut aimer Roger. Personne n'aura la place de ta mère, de ma mère. Non. Cet album, je veux dire aux enfants de reconnaître vraiment nos parents. Le papa, la maman sont deux personnes qui n'ont jamais de place, de remplaçant. Les deux parents. Surtout la maman. Celle qui donne un jour sa vie en sacrifice pour te donner vie. Pour me donner la vie. C'est pourquoi je l'appelle la vie. Cet album s'appelle La vie. Denatono. Mais la vie, c'est la femme. La vie, c'est la femme. Très, très important. On me dit qu'on a quelques auditeurs. Jean-Jules Sagnon, est-ce qu'il y a des auditeurs qui veulent poser des questions? Hassan nous appelle de Bamako. Allô, Hassan. Bonsoir, Orunde. Bonsoir, Hassan. Comment ça va? Ah, je vais bien. Bonsoir à votre collègue. Ah, d'accord. Il dit bonsoir. Bonsoir, Hassan. Hassan dit bonsoir. Bonsoir, Hassan. Oui, oui. Avec sa belle voix d'or qui fait la fierté de l'Afrique. Avec votre belle voix qui fait la fierté de l'Afrique. Oh, Hassan. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Ça me va droit au cœur. Ouais. Est-ce que vous avez une question, Hassan, pour Fodé? La seule question que je peux poser à notre frère guinéen, parce que le malien et le guinéen, c'est un poumon dans un seul corps. Le malien et les guinéens sont un poumon dans un seul corps. Oui. Il est au Mali. Voilà, oui, c'est ça. Je voudrais juste lui poser la question, quels sont ses projets dans le futur pour la jeunesse africaine? Quels sont les projets de Fodé Kouyaté pour la jeunesse, pour le futur de la jeunesse africaine? Je me suis toujours battu pour vraiment donner la place de la jeunesse à la jeunesse guinéenne. J'ai toujours cherché à faire comprendre, surtout à nos politiques, au lieu de dire de créer l'emploi à la jeunesse, il faut le faire avant de le dire, parce que il y a certains projets, dès qu'on l'annonce seulement, il devient dans le trash. Et ce que moi j'ai fait dans ces conditions, j'ai créé une structure où j'ai mis un studio d'enregistrement en place pour aider au moins, c'est parce que je ne peux pas quand même rester sans faire mon métier. Donc j'ai créé ce studio, je l'ai mis à la disposition de la jeunesse.
de la musique guinéenne. Au lieu que certains se déplacent pour aller à Dakar, en Côte d'Ivoire, parce que moi-même j'ai enregistré en Côte d'Ivoire, j'ai fait un studio d'enregistrement en Guinée. Je l'ai mis à la disposition de la musique guinéenne. Et les jeunes qui sont en train d'évoluer aujourd'hui, certains profitent pour passer là-bas. Il y a d'autres studios aussi. Pour moi aussi, il fonctionne et que les jeunes se dirigent souvent là-bas pour aller faire leur musique. Je pense que le projet que j'ai pour la jeunesse en général, moi, je ne peux pas dire forcément que je vais l'en parler. Je vais dire qu'il faut créer de l'emploi à la jeunesse. Au lieu de le dire, moi, je l'ai fait. J'ai mis un studio en place pour la jeunesse. Donc, il a montré un exemple. Ça, c'est, voilà. C'est très bien. Et comme tout à l'heure, vous parliez de la femme, vous avez même donné le nom de ces studios, le nom de votre maman, Adjamama Jelly Production. Oui. Ça, c'est le, je trouve que... En fait, c'est le nom de ma mère. Pour vous, la femme a une... C'est la première place. C'est la première place. Mais à côté, dans votre musique, vous êtes aussi un activiste. Mm-hmm. Vous avez chanté des chansons qui touchent des problèmes sociaux, politiques en Guinée. Mm-hmm. Vous avez chanté des chansons qui parlent du camp des réfugiés des Sierra Leone. Oui. Et d'ailleurs, ça vous a valu le prix honoraire De l'ambassadeur panafricain et puis de l'UNICEF aussi. Mm-hmm. Je me demande, est-ce que vous n'avez pas, parce qu'en tant qu'artiste, on dit des fois il faut rester apolitique. Mm-hmm. Est-ce que vous n'avez pas peur, par exemple, de chanter ces genres de chansons, de dénoncer? Mm-hmm. Non, mais d'abord, bon, pour être artiste, il faut un public derrière, il faut un peuple derrière. Mm-hmm. Être chanteur, être aimé, il faut un public. Et quand moi je vois la souffrance de ce public-là, je le dénonce dans les chansons auxquelles je peux mettre à la disposition de ce même public pour qu'il prenne conscience de ce qu'il vit et de ce que je vois. Mm-hmm. Alors moi, pour dire que l'artiste, oh, tout le monde fait la politique. Lorsqu'on fait partie d'une nation, on est obligé de s'intéresser aux problèmes de cette nation. Même pas être politicien, mais on fait la politique sans se rendre compte parce qu'on est intéressé quand même à connaître comment vivre le peuple. Le peuple, oui. C'est la politique. Mm-hmm. Mais dire que je fais la politique, je ne peux pas, je ne m'implique pas dans la politique. Oui. Mais je chante pour montrer que le chemin à la politique. Parce qu'on ne peut pas être parmi le peuple aujourd'hui quand on est un citoyen dans un pays, et tu vois le peuple qui souffre et qui tu endures certaines choses, donc la politique même n'acceptera pas. Mm-hmm. Moi, je vais dénoncer ça. Et qu'est-ce que vous pensez de ces artistes dans la même situation que vous venez de dire, le peuple est en train de souffrir, mais les musiciens, les artistes sont en train de glorifier les oppresseurs ou le pouvoir en place? Je ne le ferai pas. J'ai été dans le même cas, mais j'ai dit la vérité. J'ai été proche à un président de mon pays, le général président Lansana Conté, paix à son âme. J'ai été proche de lui, je n'étais pas un conseiller par décret, mais par décret de Dieu, il m'aimait, je l'aimais. On s'entendait. Il y a eu un problème où tout le monde a dit, si tu ne fais pas ça, tu ne finiras pas ton pouvoir, tu ne feras pas ça. Je suis revenu, je l'ai dit. Ceux qui te disent que si tu ne fais pas ça, tu ne finiras pas ton pouvoir, c'est eux qui ont créé ça pour que tu ne finisses pas ton pouvoir. Sinon, Itana Mangera, c'est toi le chef. Si tu étais encore sage, derrière Dieu, reste sage. Si tu ne parlais pas, ne parle plus, ne réponds plus personne. Et si tu as accepté les coups, c'est parce que c'est ton peuple. C'est toi seul on peut insulter. C'est toi qui dois endurer, subir nos problèmes. Alors si toi tu dis que tu ne peux pas faire ça, c'est qu'il n'y a plus de chef ici. Il m'a regardé. Il a dit c'est vrai. Parce que quand on te dit à un chef, il y a deux chefs maintenant dans ce pays. C'est pour tuer celui dont on a le deuxième. Ah, oui. Parce que c'est toi qui as le pouvoir. Donc ceci, moi je l'ai demandé de se calmer et c'est cette chanson. Dakiyo, miridaki mukanama, na te kuninave, maragiriola nangbenara. E otanjala na mangedama,
Iburi na fala fuerati yarera. Mange conte, itana mangera. Kainu sarine, manganu sabori. Murakulu itana mangera. Limana ya mange, murakulu itana mangera. Birakulu itana mange aganima. Idi fore kuye itana mangera ekolo. Ce que j'ai senti là, je l'ai dit en cousiri, mais en conseil, tout en lui présentant toutes mes excuses. Si je te vexe, excuse-moi, mais tu m'as promis de te dire ce que... Si tu peux tuer quelqu'un à cause d'une vérité, ouais. Si moi je te dis, tu le feras à l'huile sur ta peau. Alors, ce qu'on te dit, c'est faux. Ne martyrisons plus ce peuple. Ce peuple a trop été martyrisé en ton temps. Wow. Tu sais, Roger, j'aimerais demander à Fode Kouyaté, je le trouve tellement sage. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous suivez un peu, les artistes congolais, ils ont un problème, ils ne peuvent plus se produire, faire un concert en Europe parce qu'il y a des compatriotes, des combattants, comme on les appelle. Ils interdisent tout concert en Europe, soi-disant que les artistes doivent compatir avec ce qui se passe au pays, à toutes ces guerres et tout. Et qu'est-ce que vous en dites, en fait? Mais ils n'ont qu'à refuser. Je refuse de compatir dans le mensonge. Je vous dis, il faut être chanteur, mais ne sois pas menteur. Je vous ai dit tout de suite que mon serment de griot, c'est de ne jamais mentir. Et si je sais, le pouvoir est vraiment miraculeux. C'est une force qui dépend de Dieu. Chez nous, les griots, le chef est le chef. Il y a un point. Mais quand je sais que je te dis la vérité que tu ne veux pas accepter, je te laisse tomber. Et si je sais que je te dis, je ne peux pas te dire la vérité parce que tu ne veux pas m'écouter, non, je te laisse. Ce que les artistes refusent, à leur place, je refuserai de compatir, d'aller vers le mensonge pour chercher l'argent. Parce que en fait, les artistes, c'est qu'on leur interdit de faire des concerts en Europe. Mais pourquoi? Parce que ils sont pas d'accord avec la politique. Ouais, les ressortissants congolais qui sont en Europe refusent à ce que les artistes congolais viennent chanter encore en Europe parce que d'après eux, ils sont en train de soutenir le pouvoir, la politique en place. Mais moi, ils ont raison. Ils ont raison. Ils ont raison parce qu'on ne peut pas, moi, je ne peux pas abandonner le peuple qui me soutient, qui soutient ma musique, qui me nourrit, qui fait ma carrière. Ce peuple-là qui m'a montré au monde. Je prends l'exemple de mon peuple de Guinée. Je ne veux pas abandonner le peuple-là, me fier au pouvoir qui n'est pas dans la vérité, non. Là, je pense que les ressortissants ont raison. Voilà. Solange, tu as reçu ta réponse. Merci beaucoup. Alors, on continue. Parlons toujours de l'Afrique. Votre continent en général. Que pensez-vous, Fode Kouyaté, aujourd'hui de l'Afrique ? Aujourd'hui, les jeunes Africains qui m'appellent encore pleurent. Aujourd'hui, en 2017, la dictature, la famine, la pauvreté, pas de boulot. Aujourd'hui, leader d'opinion, l'immigration, tout ça. Qu'en pensez-vous, vous, aujourd'hui, en tant que leader d'opinion ? Parce que vous êtes artiste, vous êtes griot et aujourd'hui, vous êtes installé aux États-Unis. Que pensez-vous de ce continent ? Bonjour Roger, excuse-moi. On est tous fautifs. On est tous coupables. Si ça ne pouvait pas souffrir comme réponse, je vais expliquer. Certaines personnes ont accepté de gagner au profit des autres. Quand ça existe dans un pays, dans un continent, sur un continent, ça devient. Le reste, c'est ça. Je me suis toujours dit que si en Afrique aujourd'hui, on peut se lever un beau matin comme ça, dire « Ok, bon, je refuse de collaborer avec Roger. Et puis, j'ai d'autres personnes qui m'aident à combattre Roger. » Vous pensez que ça peut faire avancer? C'est un exemple. Non. L'Afrique pleure parce que les Africains la font pleurer. L'Afrique pleure parce qu'aujourd'hui, nos politiques veulent qu'on souffre. Ils ne veulent pas ouvrir les yeux pour dire, moi je sais, si je dois dépendre de Roger, de ce que Roger doit me retourner là, je vais chercher à savoir comment il fait pour que j'ai ça. Mais nos politiques refusent. Les Africains pleurent, c'est vrai.
nous sommes tous fautifs. Si je dis ça, c'est parce que, quelque part, on peut dire que Fodé est un chanteur. Mais est-ce que je prends ma place normalement? Parce que nul n'est parfait. Est-ce que je dis ce que je dois dire? Malgré que je me bats, mais est-ce que je fais ce que je dois faire? Aujourd'hui, ce sont les Africains qui doivent dire, si nous dépendons des aides ou de quoi que ce soit, c'est jusqu'à présent, c'est pourquoi l'Afrique souffre. Parce qu'on nous dépendons des aides, des autres. Mais si on dit, ok, si tu dois, mais ce que tu fais là pour m'aider, ouais, viens le construire, prends tout ça maintenant, va. Ou bien ce que je dois te donner là pour que tu viennes en aide, cherchons à mettre ça au clair pour qu'ensemble nous bénéficions. Ça doit être... Les choses ne sont pas équilibrées. Moi, je pense que si nous pleurons aujourd'hui, c'est que nous sommes en quelque part, sorte aussi, responsables. Responsables, ça, fautif en quelque chose. Voilà. Ouais. Donc, mais ouais. Si on ouvre les yeux et qu'on voyait à ceux qui nous donnent aujourd'hui, les aides qu'on reçoit ou quoi que ce soit, si la politique africaine disait, bon, stop, pour que moi, c'est moi, mon Nemba est plein de diamants, de l'or, de fer, de manganèse, de magnésium, il y a tout. Si vous voulez travailler avec moi, ouais, venez exploiter ça, mais faites chez moi comme ce que vous faites. Développez même chez moi. Même s'il y a 100%, pas 100%. Mais développez chez moi. Mais développez et faites en sorte que mes jeunes ne courent plus aller vers les bateaux pour aller, pour aller chez vous. Une leçon, et comme vous avez dit, les ressources ne sont pas partagées équitablement. Oui. On va à Kinshasa en RDC, je crois qu'il y a un appel. À Kananga, qui nous appelle de Kananga? José nous appelle. Allô, José Kalala. Allô, José. Allô, José, bonsoir. Bonsoir, José. Vous avez une question pour l'artiste, José? Oui, je n'ai pas une question comme telle, mais c'est juste une réflexion. Oui, oui. Ouais. Je l'ai posté sur la page. Je pense que cela doit être un peu équilibré. Mais que pour moi, on ne peut pas dépasser plus de 20 ans. Vous voyez qu'il y a certaines personnes qui se marient. L'homme a, par exemple, 30, 40 ans. Mm. La femme a au moins 18 ans. Quand même, il y a l'équilibre. Vous trouverez que ça, dans certains mariages, il y a l'homme qui a possède au moins 70 ans. Mais l'homme et la femme a 20 ans. C'est incompatible pour moi. C'est pas compatible. Il y a quand même des équilibres, quoi. Il y a quand même des équilibres. Parce que l'amour ne tient pas compte. Et ça, c'est vrai. L'amour, comme vous dites, ne tient pas compte de l'âge. Merci beaucoup, José Kalala. Les temps ne font défaut. Nous, on doit déjà commencer à atterrir. Monsieur Fodé Kouyaté, merci infiniment pour votre temps. Vraiment, on peut rester ici 2-3 heures. Ce n'est pas assez pour nous, en tout cas. Parce que là, on continue à apprendre. On pouvait même jouer plus de musique. Mais est-ce que vous pouvez nous promettre ici qu'on aura le CD de votre nouvel album? Et on pourra vous réinviter pour revenir ici. Et qu'on puisse toucher. Le boss sera. Tout ce qu'on. Georges Léonard Sagnon. Le boss aura ce que vous avez à voir. D'accord, là. Comme lui il est là, donc on pourra voir ça. Oui. Et on pourra refaire une émission spéciale avec vous parce que c'est très important de continuer à discuter ensemble. Vraiment, merci beaucoup pour votre Tout temps. Tout le plaisir a été pour moi. Ouais. Vraiment. Et justement, avec la gaieté qui existait déjà dans le studio. Ouais. Je pense que je vais revenir encore. Ça serait super. Mon boss Sagnon, il sait qu'il va me faire revenir pour encore danser avec. Ouais, il n'y a pas de problème. C'est l'équipe là qui va réussir, non? Parce que j'ai une personne avec laquelle je me suis bien compris. Hein. Ah, c'est Solange, ça c'est vrai. L'équipe qui gagne. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à notre équipe. Merci à Karl. Merci à Ted. Merci à notre ingénieur Keith. Merci à Georges Léonard Sagnon, à Jean-Louis Mafema, à Solange, à vous les auditeurs et surtout à notre invité spécial, Fodé Kouyaté. Merci pas, à vous. Il ne faut pas que mes fans s'oublient. Le 21 octobre. 21 octobre. L'album sort et on pourra se retrouver l'album sur les réseaux sociaux, internet. Mais bien sûr, ce sera sur YouTube, comment on appelle, iTunes. Jimbalam. Très bien. Merci beaucoup les amis. Comme j'ai dit, Peace Africa. C'était RM Show sur VOA Afrique.